On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit le batteur des groupes Barnac et 8¾ Ben, Jean-François Rivard, qui a littéralement fondu depuis un an, 224 livres en moins. Il veut célébrer ça avec un événement au profit de la Saint-Vincent-de-Paul. Coupe dans le gras, c'est présenté au mois de janvier. Mais d'abord, on vous parle du rendez-vous du commerce, première édition, présenté au mois de février à l'hôtel Relais Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Rendez-vous du commerce, un événement présenté le 24 février 2016 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Sophie Latour, qui est coordonnatrice au développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que Stéphane Legrand, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est comme événement? Bien, c'est une première édition. Dans un premier temps, c'est vraiment pour nous une première de vraiment mettre de l'accent sur le commerce de détail. On voulait réaliser conjointement, en partenariat, un événement qui s'adresse aux commerçants, aux restaurateurs, à tout le secteur de détail pour les former, aller de l'avant, les amener un peu plus loin, puis travailler ce secteur d'activité-là. De quelle façon l'idée a-t-elle pris naissance? Est-ce que c'était une demande, entre autres, de vos membres? Je pense que c'est en deux temps. Premièrement, on voit qu'à l'extérieur, le commerce au détail est très valorisé. Mm-hmm. Donc, c'est important pour nous, la Chambre de commerce, la Ville, de valoriser ce secteur d'activité-là qui emploie beaucoup de monde puis qui est en profond changement actuellement. Donc, on veut amener nos gens, on veut outiller nos partenaires. Puis souvent, on dit que le commerce au détail, ça décline, mais en fait, c'est pas le cas. C'est que le commerce au détail change. Fait qu'on veut vraiment amener nos commerçants, nos membres, nous, à la Chambre de commerce, à être plus performant puis à s'adapter aux nombreux changements qui arrivent. Bon, quand on parle des changements, évidemment, on ne peut pas passer à côté du commerce électronique qui change de beaucoup la donne dans certains produits où les gens achètent en ligne, donc très souvent achètent en ligne à l'étranger plutôt qu'ici même, ce qui vient handicaper un peu les commerçants. Mais en même temps, l'humain aura toujours besoin d'acheter des trucs, là, donc le commerce de détail ne mourra pas demain matin non plus. Là. Non. Mais non. Bien, c'est pour ça aussi qu'on misait avec notre thématique sur l'innovation. Ouais. Innover, c'est une bonne affaire parce que, comme Stéphane le disait, le commerce de détail est toujours existant, mais il change. Les façons de faire changent. Alors, il faut innover dans ce secteur d'activité-là aussi. Ce qu'on entend un petit peu moins parler, mais il y a beaucoup d'innovation aussi. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre de l'avant cette thématique-là, avoir des conférenciers puis stimuler notre monde localement à ce niveau-là. Il ne faut pas voir aussi le commerce en ligne comme une menace, mais ça peut être une opportunité. Une opportunité. C'est l'opportunité aussi pour nos gens d'ici à Saint-Jean de vendre à l'extérieur. Donc, les gens qui vont profiter de cette occasion-là, ce qui est bon pour les autres est bon pour les gens locaux ici aussi. Là. Je vais juste donner un exemple très rapidement. Je pense que c'est l'entreprise voyagearabais.com, une entreprise qui est basée à Trois-Rivières. Mais pourtant, il y a un paquet de Québécois qui font affaire avec cette compagnie-là. Tout à fait. Donc, au même titre qu'il pourrait avoir une compagnie basée à Saint-Jean qui pourrait vendre des trucs à Rimouski, à Saguenay ou à Val-d'Or. Là. Exactement. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, là. Non, c'est une vitrine de plus. C'est le monde qui s'offre à toi, finalement. Le centre d'achat.ca, c'est un bel exemple là, d'un entrepreneur local qui pourrait se comparer à des grands, là, éventuellement. Bon. Donc, quand on a décidé donc, de tenir cette activité qu'on appelle le rendez-vous du commerce, donc première édition, c'est le 24 février. Ça s'adresse à qui? À des commerçants d'abord ou c'est beaucoup plus large que ça? Ça s'adresse aux gens d'affaires. C'est donc, c'est sûr que monsieur tout le monde... Il ne trouvera pas son compte parce qu'évidemment, c'est des formations qui sont très pointues sur différents domaines, donc données par des experts avec une expérience aussi d'un entrepreneur qui est Nicolas Duvernois, qui a fait ses preuves. Depuis Volca, exactement, qui a réussi dans un domaine pas facile, qui a vécu vraiment tout ce qu'un entrepreneur a à vivre, donc un échec, et a réussi à se sortir du lot. Donc, on veut vraiment que cette expérience-là soit connue par les gens, que nos entrepreneurs d'ici le prennent comme exemple. Donc, c'est vraiment c'est le but qu'on s'est fixé. Là. Bon, donc, Nicolas Duvernois de Pure Vodka, qui est un jeune entrepreneur. Qui sont les autres conférenciers? Alors, au début, on met un peu la table avec un conférencier qui va venir nous parler des tendances dans le commerce, parce que, comme on dit, ça change beaucoup, ainsi que des comportements d'achat des Québécois en ligne, mais aussi... Okay. Tendances et comportements. Oui, exactement. En ligne, comme on disait, mais aussi en boutique, tout ça, comment ça évolue tout ça? Et qui est ce conférencier? C'est M. Jean-François Grenier du groupe Altus Recherche, qui détient une expertise significative au niveau de... qui font beaucoup de recherches en marketing. Okay. Parenthèse, ça dure toute une journée, ça? C'est de 7h30 à 2h. Exactement. Donc, en fait, c'est le dîner-conférence qui clôture. 7h30 jusqu'à 14h l'après-midi. Oui, c'est donc... 4 ateliers qui sont à faire, plus 2 conférences, le déjeuner et le dîner. Ouais. On voulait que ça soit très concentré et que nos gens puissent retourner dans leurs entreprises par la suite. Donc, le premier atelier ou conférence, je ne sais pas comment vous l'appelez, donc tendance et comportement.
avec M. Grenier. Oui. Après ça, quelle est la deuxième phase du rendez-vous? C'est l'expérience client. Fait qu'on le sait aujourd'hui, si on veut se démarquer, il faut vraiment offrir un service de qualité. Il faut donner un petit plus. C'est ce qui fait que les gens survivent aujourd'hui au commerce au détail. C'est des commerces qui offrent une belle expérience, un marchandisage de qualité. Donc, la deuxième atelier vraiment relié à cette expérience-là, l'expérience client. Et qui est le conférencier pour celle-ci? Jean-Marc Tremblay de Convivia, qui sont entre autres les gestionnaires des Pacini, restaurants Pacini. Ah oui. Mais ça, c'est un bel exemple parce que souvent, le client, quand il rentre dans un commerce qui n'a pas été rafraîchi depuis un certain temps, le client le voit, il le sent, et à un point tel où les gens vont rentrer et vont dire « Ah, ouais, ça a mal vieilli ». Pourtant, le pire, c'est que ça a peut-être été rénové il y a 5 ans. Là. Mais c'est comme s'il faut constamment, et probablement Pacini est un bel exemple. Tout à fait. Puis le Pacini, avant même d'être rénové, est un très beau restaurant. Mais ils sont toujours à l'avant de la parade. C'est ce que j'ai dit aux propriétaires quand on les a reçus en entrevue. Je dis, quand on m'a annoncé que Pacini allait fermer pour rénovation, j'ai fait comme... C'est pas celui qui en a besoin de plus. C'est pas celui qui en a besoin de plus, mais c'est probablement un très bel exemple de gens qui sont toujours comme deux coups en avant des autres. Et ça fait souvent peut-être la différence. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Donc après ça, quel est le troisième atelier conférence? Il y a Stéphanie Cannon qui va venir parler des médias sociaux, qui est un incontournable, le marketing médias sociaux. Je pense que les gens ont à apprendre beaucoup sur la façon de s'annoncer, parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Mais à un moment donné, il faut faire le ménage, il faut être bien équipé, bien outillé. Donc, ce qu'on veut, c'est un petit cours 101 sur comment bien doser ses énergies. Et aussi, au niveau financier, souvent, on demande aux gens de l'implication. On fait affaire aux agences web, on investit beaucoup. Je pense qu'il faut bien investir également. Donc, ça va être le sujet de la conférence. On les connaît, mais on veut vraiment comment les optimiser. Donc, tendance comportement, expérience client, médias sociaux, on en a trois. Quatrième activité? C'est Fabrice Van Dorp avec les relations intergénérationnelles. On le sait. C'est des enjeux importants. Des enjeux importants. Donc, les générations, les X, les Y, la façon de gérer du personnel aujourd'hui a beaucoup changé. Même la relation client et propriétaire est aussi importante. Là. Donc, on ne gère pas de la même façon qu'on le faisait il y a 30 ans. Là. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est à deux niveaux. C'est autant au niveau des ressources humaines, la gestion du personnel. On ne gère pas quelqu'un de 58 ans comme on gère quelqu'un de 22 ans, peut-être. Mais même au niveau des clients, parce qu'on le sait, dans les cohortes aujourd'hui, je pense que c'est à peu près 50 % de la population qui a 50 ans et plus. Donc, ils sont quand même assez nombreux, on s'entend. Mais il y a aussi l'autre 50 % qui a 50 ans et moins. C'est des clients qui ont des comportements totalement différents. Des habitudes complètement opposées. D'ailleurs, Internet prend beaucoup d'ampleur parce que les gens vont consulter de plus en plus sur les sites. La vitrine est devenue le web. Exactement. Donc, ça, c'est une tendance que les gens doivent comprendre. Puis que si on n'est pas présent sur le web, ça veut dire que ça peut avoir une incidence sur votre point de vente également. Ce n'est pas vrai qu'un n'a pas de lien sur l'autre. Donc, Ça, c'est comme dans les concessions automobiles. Les gens, aujourd'hui, commencent à magasiner en ligne sur les spectres des différents véhicules pour ultimement aboutir chez un concessionnaire et parfois même en savoir plus que le représentant lui-même. Oui. C'est la nouvelle réalité, là. C'est ça, là. Hein? C'est comme le patient qui arrive dans le bureau de son médecin. Là, Il a déjà fait le diagnostic. Ouais, donc, ouais. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a au menu? On a aussi avec Pierre-Paul Lévesque de Mission Client qui est vraiment... le service à la clientèle, comment se démarquer? Parce que maintenant, comme on parlait un petit peu plus tôt, là, avec Convivia, l'aspect de la boutique, les tendances, mais il y a aussi toute l'expérience client, l'information additionnelle que tu peux donner par rapport à ce que tu as vu sur Internet ou tout ça. Donc, toute aller encore plus loin au niveau de l'expérience, comment innover à ce niveau-là? Oui, parce que le service client aussi, puis souvent on fait le parallèle avec le commerce électronique, on peut bien s'acheter, exemple, je ne sais pas, mais un appareil photo sur Internet puis le faire livrer à la maison. Ça va se faire en 24 heures. Mais en même temps, si j'ai des questions sur le produit, pas sûr que… Dans son utilisation. C'est ça. Tout ça, c'est tout là que se développe la valeur ajoutée du client. La valeur ajoutée d'aller dans un commerce comme ici, je ne sais pas, chez leur photo ou ailleurs, où là, il y a quelqu'un qui va t'expliquer. Puis si tu y retournes une deuxième puis une troisième fois, il ne trouvera pas trop ta mère. Puis il va te connaître. C'est intéressant parce qu'on a un volet local boutons, également. Leur photo est une des personnes qui va être là. Julie Clermont va être là de leur photo, qui va venir parler un petit peu pendant 5 minutes. Va venir présenter un conférencier. Mais va venir parler aussi de son expérience. Comment ils ont fait dans un domaine où on a dû s'adapter. Là, comment on fait aujourd'hui leur photo pour se distinguer par rapport à bien d'autres qui ont fermé dans le même niveau. Donc, on a un volet local intéressant également. C'est pour ça que le service à la clientèle là, devient important. Est-ce qu'il y a un autre conférencier qu'on a oublié? On a notre conférence de fermeture avec Nicolas Duvernois. Avec Nicolas Duvernois. Pour votre cas. Bon. Vous attendez combien de personnes?
Notre objectif, c'est… Entre 80 et 100, là, on pense on que va ça être, peut être… On va être, bien on va être content. Bon, est-ce qu'il y a des frais de rattacher à ça? C'est 75 $ pour la journée complète. Ça comprend le déjeuner et le dîner. Ça inclut le déjeuner et le dîner? Oui. Faut penser, noter. C'est oui. ça, qu'on a un partenaire très important là-dedans, puis qui est… Pour la réalisation, c'est Emploi Québec. Sans ce partenaire-là, l'événement ne pourrait pas se tenir. Là. Alors, c'est que 60 % là, de l'événement est financé par Emploi Québec. Ah oui, oui, donc c'est majeur. Donc, la Chambre de commerce, la Ville, on met un peu d'argent, on met beaucoup d'huile de bras, comme on dit, dans l'organisation, mais sans la participation d'Emploi Québec, on n'aurait pas une programmation à cette hauteur-là. C'est vraiment abordable, honnêtement. Là. 75 $ pour déjeuner, dîner, plus les conférenciers que vous avez nommés. Ce panel on veut rendre ça accessible parce que c'est souvent nos jeunes entrepreneurs. Avoir plus que 100 personnes. Exactement. Ça sera une bonne nouvelle. Nos jeunes entrepreneurs ont vraiment besoin aussi d'un coup de main. Puis si on met ça inaccessible à 150, 200 $ on va perdre des joueurs. Donc on veut que ça soit accessible pour l'ensemble. C'est dans la mission d'Emploi Québec aussi, ils sont très fiers de pouvoir offrir de la formation au commerce. Alors, comment c'est une bonne nouvelle. Comment avez-vous réussi à les approcher, Emploi Québec, là, pour financer ça? Bien, dans le fond, il y a d'autres événements qui se déroulent au Québec. Emploi Québec, c'est un bon partenaire. On a ici une bonne collaboration. Alors, on a monté un projet, nous, la Ville et la Chambre de commerce, ensemble. On a présenté, on a eu quelques rencontres. On a étoffé certains objectifs et finalement, ils nous appuient de façon importante. On a fait une première rencontre, tout ça avec Détail Québec. On a fait une formation qu'Emploi Québec avait financée en partie sur le service client, le service à la clientèle. Ça avait eu un beau succès. Donc, on s'est dit peut-être qu'il y a, y a un filon où les gens prennent... Il y a un intérêt de la part des commerçants à être là. Le 24 février, c'est une quelle journée, ça? Mercredi. C'est un mercredi le 24, et c'est à quel endroit précisément? À l'hôtel Relais-Gouverneur. À l'hôtel Relais-Gouverneur. Les gens doivent s'inscrire à l'avance? À la Chambre de commerce, donc par courriel ou par téléphone. Exactement. Un petit formulaire à compléter, puisque il y a deux choix d'ateliers. Il y a quatre ateliers, conférence d'ouverture, fermeture, deux choix d'ateliers. Alors, ils doivent choisir leur atelier pour vraiment répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, mercredi, le 24 février, de 7h30 jusqu'à 14h à l'hôtel Relais-Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu, la première édition du rendez-vous du commerce avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, collaboration avec Emploi Québec. Vous avez entendu, bien sûr, le nom des différents conférenciers pour ces conférences et ces ateliers. Donc, merci beaucoup. Bonne chance. Félicitations. Merci. Je pense que c'est quelque chose qui va être âprement intéressant pour les gens d'ici et, en tout cas, drôlement abordable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un événement qui va se tenir le samedi 23 janvier. Et l'événement s'appelle « On coupe dans le gras ». Samedi, le 23 janvier, à l'hôtel 54, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'événement Coupe dans le gras. Avec qui? Avec Jean-François Rivard, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. C'est un événement anniversaire parce que ça vient célébrer, dans le fond, une année où tu as carrément fondu. Carrément. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Coupe dans le gras. Fondu parce qu'en décembre 2014, donc il y a, dans le fond, 13 mois, oui. Tu pesais 458 livres. 434. 434? Oui. 458, ça, c'est avant ton opération? C'est le plus haut que j'ai monté. Là, on recule de ça. Là, peut-être, on parle 2012-2013, j'étais à... OK, donc tu avais commencé à maigrir un peu. J'avais commencé à maigrir un peu. Et là, dans le fond, tu avais un régime préopératoire. De un mois, oui. Et tu t'es fait opérer en janvier 2015, donc il y a un an aujourd'hui. Quel type d'opération? Une chirurgie bariatrique qu'on appelle aussi communément appelée la sleeve. Le terme exact, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est gastrectomie.
un terme médical dont j'oublie la nature, malheureusement. On réduit la dimension de l'estomac. Exactement. Ça consiste en fait, ils m'ont enlevé le 2/3 de l'estomac. Bon. Tu es évidemment une figure connue dans le monde de la musique, entre autres avec 8¾ band. Oui. Également d'autres formations? Oui, avec le groupe Barnac, qui est mon groupe de composition aussi. Là-dedans, moi, j'écris les chansons. Il y a mon vieux partner, Martin, qui m'aide pour les arrangements. On est une belle gang. Des musiciens d'un peu la gang du 8¾, un peu de Picbois, un peu toute cette gang-là. Bon, toi, tu es un joueur de batterie. Oui. Tu as 33 ans aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui fait que de 0 à 32 ans, on passe de 0 livre à 458 livres? Oh, boy, boy. Je te dirais, tout un parcours. J'ai tout le temps été, costaud. J'ai tout le temps été un peu totoun, comme on dit. Ouais. Et puis, à un moment donné, il est arrivé des choses dans ma vie, quand je te parle les détails, mais on parle, en résumé, une dépression, des gros problèmes, tu sais, des beaux gros problèmes d'adultes. Et puis, je pesais à cette époque-là peut-être 330, 340 livres. Et puis, en dedans de 5 ans, j'ai pris au-dessus de 100 livres comme faut. Le temps d'essayer de régler mes affaires. Tu sais, quand tout arrive en même temps, on se dit qu'il faut régler un problème à la fois. Fait que c'est ce que je faisais, je réglais un problème à la fois, sauf qu'à un moment donné, le problème le plus crucial qui était ma santé a fini par me lâcher. Est-ce que tu commençais à avoir des ennuis de santé physique dus à ton poids? Ah oui, absolument. Oh, oui. De 2012 à 2013, c'est là que ça a le plus dégénéré, l'apnée du sommeil, en fait. Ouais. J'étais borderline diabétique. J'ai fait des crises d'anxiété qui me causaient une éruption cutanée incroyable, problème de circulation, problème de rétention, puis ça se multipliait. Là. Et à quel moment on se lève un matin puis on dit, bon, ben ce problème-là, là, celui du surpoids, là, c'est cette année qu'on le règle? Là. Quand on risque d'y laisser sa peau carrément. Un avertissement? Un avertissement. En juillet 2012, je suis tombé malade. J'ai rencontré tout un paquet de spécialistes. Ils n'ont jamais su me dire pourquoi, mais j'ai carrément failli rester sur la table. Ouais. Le cœur s'est mis à débattre. Après ça, il a arrêté. Il a quasiment arrêté. On m'a soigné plein de médicaments. Il n'y a rien qui faisait. J'ai été 2 semaines à l'hôpital. Puis ça, je pense au travers. Et à ce moment-là, après d'illustres tentatives pour me reprendre en main par moi-même, et on a fini par me dire, écoute, Jean-François, on t'a mis sur la liste d'attente pour une chirurgie bariatrique. Est-ce que tu embarques? J'ai dit oui. Pour tout toi, ça. C'était une solution qui était plus réaliste que des régimes ou, je ne sais pas moi, des entraînements ou je ne sais trop. Ça devenait une solution peut-être plus réaliste dans ton cas? Plus réaliste, mais aussi de par le temps qui me pressait parce que je voyais les problèmes s'accumuler. Dans mon cas à moi, puis je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais dans mon cas à moi, c'était la solution la plus évidente. Pas la plus facile nécessairement. On a tendance à dire « Ah, c'est facile, tu t'es fait couper l'estomac. » C'est des changements de vie pareils qu'il faut effectuer. C'est un travail de tous les jours, mais c'était la solution la plus évidente à ce moment-là de ma vie. Bon. Donc, l'opération, c'est il y a un an. Ça s'est bien passé. Oui. Et là, tu t'es mis à fondre de façon quand même assez rapide. Donc, oui, il y a l'opération, mais il y a le changement d'alimentation aussi qui vient avec, là. Et peut-être l'exercice aussi, je présume. Aussi, oui. Écoutez, j'ai un mode de vie quand même très actif. Je fais de la musique à tous les fins de semaine. Je travaille quand même physique. Je fais de la livraison, je suis représentant aussi, mais je suis tout le temps sur la route. Mais je sors de mon char de livraison, je vais voir les gens, je bouge, je vais marcher. Je suis tout le temps en train de bouger, tout le temps. J'ai arrêté de boire. Ça fait un an, en fait, que je ne bois plus aucune goutte de poisson, aucune junk food, qu'on appelle non plus, tout ça, restauration rapide, friture, pizza, nomme-les. J'ai tout coupé ça aussi. Je bouffe peut-être 6-7 fois par jour des petites quantités. Ce qu'on devrait tout faire, en fait, ce qu'on nous dit depuis le début, faites-le. Ce move-là dans ma vie m'a botté les fesses à le faire, en fait. Est-ce que c'est difficile de changer ses habitudes de vie, son alimentation, l'exercice et tout ça? Tu vas me dire que l'opération t'y oblige un peu, hein? Oui. Mais peut-être que je ne sais pas si on a des petites tentations des fois ou si rapidement ça nous ramène à l'ordre puis on se dit « j'ai pas le choix ».
Bien, au départ, c'est difficile. Le régime préopératoire, le premier mois, là, de décembre à janvier, là, un mois à dropper à peut-être 1500 calories par jour, quand on est habitué d'en manger peut-être 3500, 4000 dans un seul repas, ça a été difficile. Le processus d'arrêter de boire aussi, j'étais un buveur social, mais notre leitmotiv, c'est gorger par ici, gorger par là avec le groupe. Fait qu'à un moment donné, ça tue aussi. Ça a été des changements difficiles à faire. Mais après l'opération, quand même que je pousserais plus, l'estomac ne le prend pas, puis je ne veux pas le faire. Je me suis rendu au point où j'étais tanné, qu'il fallait que ça change. Puis je m'étais dit, ça passe ou ça casse. Heureusement, ça a passé, fait que je travaille fort pour que ça continue du bon pied. Et un an plus tard, et 224 livres en moins, oui. Ta vie ressemble à quoi aujourd'hui? En quoi ça a été... On le sait, là, on s'en doute que ça a été bénéfique, mais pour toi, en quoi ça a été bénéfique tout ça? L'apnée du sommeil, c'est fini. J'utilise plus ma machine depuis le mois d'août. Bien, je dis c'est fini. Si mon docteur m'écoute, il va peut-être dire « Ouais, il faudrait peut-être que tu viennes repasser les tests, ouais. mon chum. » Avec raison, mais non, ça c'est okay. fini. Les problèmes de pression, c'est fini aussi. Le linge, mon Dieu, le linge capable de m'habiller n'importe où, n'importe quand, puis ça ne me coûte pas 150$ pour une paire de pantalons. Et sur le niveau d'énergie, dans la vie de tous les jours? Ça a été une adaptation. Ça a été difficile un peu au départ parce que tu dois te réhabituer à manger plus souvent, surtout quand... comme je disais, j'ai une vie très active, fait que je ne mangeais pas nécessairement des heures régulières. Je mangeais peut-être 2-3 fois par jour, mais quand je mangeais, mon Dieu, c'était en quantité époustouflante pour être capable de rattraper l'énergie. On le voit parfois dans... Puis il y a plusieurs émissions à la télé, là, Canal Vie puis Moi et compagnie, là, on peut toutes les nommer, là, où on voit ce genre d'opérations-là, ou dans certains cas aussi, on a d'autres types d'opérations pour retirer les surplus de peau et tout ça, qui viennent un peu encombrer les gens. Dans ton cas, à toi, est-ce que tu dois envisager ça aussi, ou si c'est pas vraiment nécessaire? C'est envisageable. C'est ouais. envisageable. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais garder mon linge quand même. Oui. Déshabille-toi pas. Là. Non, s'il vous plaît. Quand ouais. même, c'est envisageable. On ne veut pas faire peur aux gens. Mais oui, c'est sûr, c'est envisageable. Mais pour l'instant, ma priorité n'est pas là. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui me gêne parce que pour moi, c'est une réussite. Puis en même temps, c'est une façon de me rappeler un peu d'où je viens. Oui, parce que tu l'as d'en face à tous les jours. Je l'ai d'en face à tous les jours. Tous les jours. C'est un rappel, là. Absolument. Absolument. Pourquoi avais-tu donc la nécessité de vouloir, oui, célébrer ton année et d'y tenir un spectacle bénéfice, d'ailleurs? Là? Absolument, absolument. Parce que, premièrement, au départ, je voulais organiser un gros jam avec mes chums musiciens. Je m'étais fait dire, tabarnouche, JF, on dirait que tu ne célèbres pas assez ta victoire. Puis c'était vrai, je ne célébrais pas assez. J'étais tellement pris dans ma nouvelle réalité que... Je me garochais partout sans prendre le temps de savourer. Fait que je voulais faire ça. Puis, à un moment donné, parle, jase. Je dis, écoute, suis mon raisonnement, tu vas avoir du fun. Là. Je disais, à cette heure que je mange moins, ça va en faire plus pour les autres, pourquoi pas en distribuer un peu à la population. Puis on a parti à rire, puis on pourrait créer un événement, puis on pourrait appeler ça coupe dans le groupe. Là, à un moment donné, l'idée a fait son chemin, puis j'ai fait comme, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Moi, je suis pas le genre de gars qui va arriver en avant et dire, regardez-moi, je suis un exemple, loin de là. J'ai aucune leçon de vie à donner à personne. Par contre, en parlant avec mes amis et avec ma famille, ils disaient « chaque cause a sa figure de proue. Si ta cause à toi, si ton cheminement à toi peut faire avancer la cause. » Puis moi, je trouvais ça important d'ordonner, en fait, de donner à... Comment je dirais bien ça? D'ordonner à ma communauté aussi parce que, d'un, mon opération a été payée, parce que j'ai été référé. De deux, dans mes années les plus dures, j'ai eu affaire à la Saint-Vincent-de-Paul, la fondation pour laquelle on va donner les dons de nourriture et de vêtements. J'ai eu recours plus souvent qu'à mon tour dans les dernières années, malheureusement. Puis heureusement aussi. Fait que tout ça a fait en sorte que je voulais joindre l'utile à l'agréable, créer un bel événement de paix, de rassemblement, puis rappeler que c'est pas juste en décembre que des gens ont besoin autour de nous, mais c'est à longueur d'année. Ça, c'est drôlement vrai. À quoi va ressembler l'événement? Donc, c'est samedi, bientôt, là, samedi le 23 janvier. Oui. C'est à l'Hôtel 54, là, pas très loin d'ici, là, dans l'ancienne Légion canadienne, à côté du Nautique. Exactement. Dans le Vieux-Saint-Jean. L'événement va ressembler à quoi?
L'événement, ça va être un gros party. On a des formations de Saint-Jean, pour les nommer vite fait. Ouais. Bon, c'est sûr, la gang de Picbois, mes chums de Picbois vont être là. Ma gang du 8-3 quarts, Barnac, mes chums Bill Boquet vont être là aussi, ouais. avec qui on est en train de... Je dis ça sur le flair, est en train de composer un album, okay. Barnac et Bill Boquet, ça va être le fun. Il y a The Cousins, qui est un groupe, je vais jouer safe, je te dirais, entre 17 et 21 ans. Que c'est tous des cousins qui ont décidé de se rassembler, faire de la musique puis jouer des tunes des Beatles. Il va y avoir Full Moon, qui est des chums à moi aussi, qui c'est un groupe, wow. Groupe métal. On passe vraiment du folk, rock, blues au métal. Il y en a un peu partout. Puis c'est des petits sets. On parle de peut-être 15-20 minutes par groupe, gros max une demi-heure. Il y a combien de places à l'intérieur de l'Hôtel 54? Exactement, je le dirais, je le sais pas. C'est quoi le maximum de personnes que vous pouvez accueillir? Quand je l'ai demandé, puis qu'on l'a demandé sur la page de l'événement, il y a Jordan qui nous a répondu, il y a de la place en masse. OK, il y a de la place en masse. Il y a de la place en masse, c'est admission générale. Il va y avoir des places assises pour les ouais. personnes qui vont en avoir de besoin. Ça, je conseille aux personnes. Les billets se vendent combien? Il n'y a pas de billets. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de billets. Il n'y a pas de billets. Qu'est-ce que ça coûte pour rentrer? C'est des denrées non périssables ou des vêtements. Si tu n'as ni un ni l'autre, malheureusement. Tu ne rentres pas, on donne la priorité. Mais pas de l'argent, là. Pas de l'argent, il n'y a personne qui fait une sonne. Il faut que tu amènes des vêtements ou des denrées non périssables. C'est ça que vous demandez. C'est ça le billet d'entrée. C'est ça le billet d'entrée. Wow, c'est bien. Puis on parle d'un 6 groupes, peut-être 6 ou 7. J'ai 6 de confirmés. Est-ce que les gens doivent réserver d'avance ou c'est premier arrivé, premier servi? Premier arrivé, premier servi. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 8 heures pile. On s'arrange pour ouvrir les portes entre 6 heures et 7 heures. L'heure va être confirmée sur la page de l'événement, l'heure d'ouverture des portes exactement. Maximum 11 heures, c'est fini. Puis c'est accessible aussi à tout le monde. En fait, c'est une salle de spectacle. Fait que si pour une raison X, tu n'as pas de gardienne ce soir-là, tu vas emmener tes enfants, tu as le droit. Okay. Mais amène des fausses cartes, tu veux faire boire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai rien dit. Coupe. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Coupe dans le gras. Coupe dans le gras. Ah, ben voilà, coupe dans le gras. Bien, Jean-François, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance avec le spectacle. Je pense qu'en même temps, pour toi, ça va te permettre de boucler la boucle aussi avec cette année-là de transformation. Absolument. Puis je présume que tu vas rester sage. Pour les, années et les décennies à venir? Je suis déjà bien parti, ouais, hein? Puis j'ai trippé dans toute ma vie jusqu'à là, d'une certaine façon. Je vais continuer de tripper autant, mais d'une autre façon. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui souffre d'obésité morbide, tu lui dis quoi? Fais-toi confiance. Prends les décisions pour toi. C'est la meilleure chose que... Parce que souvent, on pense beaucoup aux autres, surtout quand on est gros. Ouais. Qu'est-ce que le monde pense de moi? Comment les gens me regardent? De quoi je vais avoir de l'air? Non, prends les décisions pour toi. C'est ce qu'on me dit. Prends la décision pour toi, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Jean-François, merci. Merci à toi. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. En ce début d'année 2016, c'est la reprise des activités au Club d'expression Toastmaster. On est actuellement en recrutement. Pour obtenir de l'information, vous contactez M. Fernand Paradis au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et à chaque dimanche matin, c'est notre traditionnel télébingo avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.